J'occupe la fonction de Battle Watch Captain ou chef de quart pour une équivalence française. Donc mon travail consiste au sein du quart de veiller à ce que l'information nécessaire soit issue de veille média, soit issue des comptes rendus opérationnels, remonte correctement au bon moment pour permettre au commandement de prendre la bonne décision. Donc pour ça, je suis aidé par une équipe de 8 militaires, officiers, sous-officiers, donc multinationales, qui travaillent 24/7. C'est ma première affectation au temps. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des critères particuliers, même si pendant ma scolarité à l'EMIA, j'avais suivi donc une formation, un DUG, langues étrangères appliquées, anglais-espagnol, avec une option relations internationales. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment été l'opportunité. Je dirais qu'il faut le tenter. Parce que ça vaut vraiment le coup, tant sur le plan personnel, professionnel que familial. Et on découvre des nations qu'on n'a pas spécialement l'habitude de côtoyer.